Bonjour à tous et bonjour YouTube, c'est David et bienvenue sur la chaîne YouTube des Transports Byzantins. J'espère clairement que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'êtes pas trop atteint par la Covid-19. J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo dédiée au bus. Parce que oui, aujourd'hui on va parler encore d'un bus, comme c'est original. Mais je vais pas vous parler de n'importe quel bus, c'est un bus du coup qui a été testé à Besançon plusieurs mois après l'Iveco Urbanway 10,5. Il s'agit de l'Iveco E-Way 9,5. Comme vous le savez, Besançon souhaite se séparer progressivement de ses bus au diesel, contre des bus propres, électriques. Et bah du coup, Iveco a proposé à la métropole de tester pendant une journée l'Iveco E-Way 9,5 mètres. Ce bus a circulé dans tout Besançon, que ce soit le centre-ville, Chaffonjon, la gare Viotte ou même la Citadelle. Et donc du coup, on va pouvoir en parler ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Jingle. Mais avant du coup de rentrer dans les caractéristiques de ce bus, je vais faire une petite parenthèse sur ce que c'est l'Iveco E-Way. Parce qu'en soi, vous connaissez EIAZ. Il fabrique des bus électriques, diesel, de plein de longueurs différentes. Et bah, à partir du moment où Iveco ou EIAZ vont vendre des bus électriques à l'étranger, en Italie ou en Espagne, et bah, ils ne seront pas vendus sous le nom d'EIAZ GX 137, 337, 437, etc. Ils seront vendus sous le nom d'Iveco E-Way. Mais ce sera valable uniquement en fait pour les bus électriques. Mais pourquoi Iveco E-Way? Honnêtement, bonne question. Est-ce que c'est une question de notoriété? D'image? Je sais pas trop. Mais en tout cas, il faut savoir quand même que même si le nom c'est 100% Iveco, derrière le bus quand même ils mettent. Heureusement, ils écrivent quand même Iveco et en soi. En bas, bye EIS. Merci de penser au Made in France. C'était une petite parenthèse histoire que vous sachiez de quoi on parle. On ferme la parenthèse maintenant et attardons-nous sur le bus en lui-même. Vu que le bus en lui-même, c'est un bus de moyenne capacité. Il mesure 9,5 mètres de long, 2,33 m de large sans compter les rétros, et plus de 3,30 m de hauteur. Normal parce que c'est un bus électrique et les batteries, ils sont où? Sur le toit. Donc c'est un bus de moyenne capacité qui est clairement dédié pour du centre-ville, qui est dédié pour toutes les rues étroites, pour les petites villes. Bref, un bus quasi parfait. Pourquoi? Bah, il a quand même beaucoup de points positifs. Vu que les conducteurs, ils me l'ont dit, franchement, ils ont apprécié ce bus, mais enfin, voilà, ils étaient vraiment heureux. Mais par contre, on va voir quand même un petit peu à côté que. Ok, c'est cool, c'est pratique, c'est génial. Mais par contre, c'est un prix. C'est un prix, mais ce sera aussi un coût écologique non négligeable. Mais bon, on y reviendra après. On va déjà s'attarder déjà sur tous les points positifs en soi de ce bus. Donc ce bus, c'est un bus électrique. Ça, vous l'aurez compris. Puis en même temps, je pense que je l'ai dit pas mal de fois. Donc vu que c'est un bus électrique, il est silencieux. Ça, tous les conducteurs vraiment étaient heureux. Le fait de ne pas entendre de bruit de moteur, ça apporte vraiment un confort acoustique, que ce soit donc du coup pour les conducteurs, mais aussi après pour les passagers. Et vu que ce bus est aussi, bah, il est électrique, c'est-à-dire qu'il a un moteur électrique, mais que du coup, il n'y a pas de boîte de vitesse. Et cela va apporter deux avantages. Le premier, ça va être une maintenance nettement facilitée, vu qu'il n'y a pas de pot d'échappement, pas de pot catalytique, pas de boîte de vitesse. Bref, le pied pour les mécanos. Et également, vu qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'à-coups, et ça veut dire que le bus va beaucoup moins trembler. Et ça, vraiment, pareil, c'est du confort pour le conducteur, pour les passagers. Et pour tout. Voilà, vous l'aurez compris, clairement, ce bus, il a tous les avantages de l'électrique. Confortable,
pour les usagers, pour les conducteurs et une maintenance facilitée pour les mécanos. Mais par contre, là où je suis un peu sceptique, c'est sur le fait que ce soit silencieux. Parce qu'en soi, il est silencieux depuis l'intérieur du bus, mais il est silencieux également depuis l'extérieur du bus. C'est-à-dire que le piéton qui va par exemple marcher à côté, eh ben, il va pas entendre ce bus. Il va le voir, mais il va pas forcément l'entendre. Et j'ai peur qu'il y ait des accidents à cause de ça. Que ce soit avec des piétons ou même pourquoi pas avec d'autres véhicules. Et honnêtement, j'avoue que ça me fait un peu peur. Ce serait bien qu'ils fassent par exemple comme sur les Renault Zoé par exemple, avoir un petit bruit quand ils roulent doucement, avoir un petit bruit pour qu'on puisse savoir qu'il y a un bus justement qui en approche. Et ça serait vraiment utile pour éviter des accidents. Parce que bon, ce bus en soi, il est parfait. Mais bon, la perfection, ça a un prix. Non seulement économique, mais également écologique. Pourquoi déjà économique? Bah parce qu'en fait, un bus électrique, en soi, ça coûte une blinde. Mais faut être riche comme Crésus. Ça coûte beaucoup trop cher. Vu que par rapport à un bus diesel ou à un bus au gaz, on passe limite du simple au double, voire même quasi au triple. Mais quand on a un bus de moyenne capacité, il a un prix quasi équivalent à un bus standard. Et ton bus standard, au gaz par exemple, il coûte 270 000 euros. Et le bus électrique, en standard, eh ben on est plutôt autour des 600 000 euros, voire même 650 000 euros. C'est cher quoi. Ça coûte une blinde. Et est-ce que vraiment n'importe quelle métropole peut se permettre d'acheter autant de bus et d'y investir autant? Ça, j'en doute. Et ça, je l'ai vu récemment, vu qu'il y a Orléans, sous le mandat précédent, l'ancien maire, en fait, voulait clairement changer tous ses parcs de bus par de l'électrique. Sauf que le nouveau maire a dit non. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup trop cher. Vu qu'en soi, avec un bus électrique, bah, t'achètes quasi trois bus thermiques. Donc au final, est-ce que ça vaut réellement le coup économiquement? Surtout qu'après, bah, il faut installer des potences. Vu que le bus, bah, faut bien le recharger. Donc le recharger, ça va se passer comment? Bah, soit tu le branches avec une petite prise classique, soit tu le recharges avec un pantographe. Donc ça veut dire qu'il va falloir installer du coup une potence, faire venir du coup l'électricité, ça va occasionner du coup des travaux. Donc ça va coûter quoi au final. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup au bout de par exemple de 15 ans de vie entre ton bus électrique et ton bus au gaz? Honnêtement, on peut se poser la question. Mais bon, il n'y a pas que ce problème économique, il y a également pour moi un problème écologique. Parce que généralement, l'avantage que tout le monde te dit, que ce soit dans la presse, dans la télé, c'est oui, non, mais en fait, un bus électrique, l'avantage, c'est qu'il n'émet pas de particules, zéro émission de CO2. Moi, je te dis, bah oui, mais sur le moment, quand il roule. Mais avant qu'il roule, bah il pollue. Pourquoi? Parce qu'il y a des batteries dans un bus électrique. Et les batteries, on le sait au jour d'aujourd'hui, ça coûte cher et ça pollue énormément. Surtout que c'est de plus en plus rare. Faut récupérer du coup tous les minerais de plus en plus profonds dans le sol. Donc de plus en utiliser de plus en plus d'énergie. Donc polluer de plus en plus. Bref, c'est vraiment une pollution pour la planète. Surtout que tu vas pas extraire les minerais juste une seule fois. Parce que déjà, un bus en soi, il a une durée de vie de 15 ans. Mais la batterie sur un bus, il va durer peut-être 7 à 8 ans. Donc c'est-à-dire qu'il faudra construire deux fois autant de batteries. Donc deux fois creuser de plus en plus, extraire tous les minéraux. Enfin non, non, enfin, ça va polluer beaucoup trop. Et surtout qu'on n'arrive même pas au jour d'aujourd'hui à recycler l'intégralité d'une batterie. Donc, est-ce qu'au final c'est vraiment avantageux écologiquement par rapport à ton bus au gaz? Ben, là aussi, je pose un gros point d'interrogation. Si vous avez votre avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vu que moi, honnêtement, mais j'y crois pas du tout, quoi. Dire que ça coûte moins cher, dire
que ça pollue pas, dire que c'est vraiment 100% avantageux, puis ouais, puis dire que c'est moins cher en coût d'exploitation à la fin, vraiment à la fin, je n'y crois absolument pas, mais absolument pas. Mais bon, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bon, est-ce qu'on va tout de suite commander des bus électriques? Pas encore. Pourquoi? Parce qu'il y a encore deux tests de bus électriques qui sont prévus. C'est-à-dire qu'au mois de mars, avril, il y aura un bus standard de Yaize en électrique qui va être testé en commercial ici à Besançon. Et un petit peu plus tard, il y aura un JX 137L de Yaize en électrique qui sera lui aussi en test en commercial à Besançon. Bon, du coup, on verra à la fin du coup, de ces deux tests. Est-ce que la ville va partir sur de l'électrique ou est-ce qu'ils vont plus se concentrer sur du gaz? Mystère et boule de gomme. Affaire à suivre. Mais bon voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Puis vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Twitter, à mon compte Instagram et également à mon compte Flickr. Tous les liens seront dans la description et on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye!